Welcome to SB News, people <laughs> like share. I'm on the street, baby. <laughs> All right, guys, only back. Euh, Veux-tu faire l'intro vu que t'as Timano C'est ta job. C'est ta job. <laughs> C'est ta On est back. <laughs> SCB News, guys. Excusez-moi pour le délai. Euh, spécial pour vous. On va avoir deux épisodes back-to-back. -back. On va avoir un épisode avant les NBA Finals et l'épisode d'aujourd'hui qui est après les NBA Finals, the same day. Vous allez pouvoir juger si on avait raison ou si on avait tort. Euh, et c'est venu de Back, LJ, Spenty, Misogod. Oh. Euh, malheureusement, euh, notre fourth member qui est venu cette année, dans cette saison, euh, s'est blessé. Il euh, <laughs> est soft. Et aussi. Il des gars. Les gars, fait dans la ligue. Il <laughs> a une blessure, euh, blessure grave. On lui souhaite, bon, souhaite un bon rétablissement. Kazad yeah. ne sera pas là de nous pour le reste de l'épisode. Et la saison prochaine... Je on... veux dire, on a bientôt terminé. Exact. Et puis la saison prochaine, voire peut-être s'il va revenir, son rétablissement est de un an, il m'a dit. Oh shit! Il y a six mois pour enlever le plâtre et six mois pour apprendre à marcher. Oh, all right! Yeah! Je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça. Yeah, c'est tough, c'est vraiment tough. Son bon rétablissement, mon gars, euh, on, le meilleur. Bon, NBA Finals, NBA est terminé. Il euh, y a une seule personne ici qui a... <laughs> et il, porte le, il porte le gear au complet. Il la colle depuis longtemps. Moi, S-Man, on va s'excuser au courant de l'épisode d'avoir osé, osé prendre les maps. J'ai besoin vraiment de m'excuser. Oui, parce que tu as dit le best win of the game était carry offensively. Fait, look, offensively. <laughs> et offensively, un Tegar n'a rien donné. It was a no-show. Oh my god. So, mais avant qu'on rentre dans les détails de la game, euh, on va parler des champions. Certains sont champion. On va parler d'eux autres. On va mettre de face sur eux autres. Mais euh, god, ton take, est-ce que tu es surpris? Comment tu te sens? Est-ce que. <laughs> mm, non, <laughs> je suis pas euh, dans ma tête, j ai, j ai, pour donner une chance à Dallas, je disais Dallas-Boston uh, en 6, euh, je me disais que si Porzingis joue bien, ils peuvent, uh, Dallas, Boston peut gagner en 5, Porzingis a joué une game puis il s'est blessé après, Dallas a quand même, uh, Boston a quand même gagné en 5, mm -hmm. euh, la série s'est jouée exactement comme mm -hmm. je voyais la série se jouer, puis, même quand c'était 3-0, le monde était comme, oh, un sweep. Puis j'étais genre, Boston, c'est pas une équipe que je vois capable de sweep. Puis ils ont ils sont fait éclater dans la Game 4. Puis ils ont tourné la carrière et puis ils ont handled business. Non. Vas-y, vas-y. OK, first of all, congrats. Ouais, well, congrats. Yeah. Parce que c'est bien mérité. Oui. Second of all, euh. Quoi, quoi, pour le reste, c'était quoi la question? J ai, j ai comme, quoi ton take on est? Est-ce que t'es surpris? Est-ce que es... Je suis pas surpris parce que on, tout le monde disait boston, boston, boston. Mais don't get me wrong que game 1, ou 3 and 5, vous avez eu des circuits shots souvent. Vous avez over je veux pas dire overperform, mais comme sur certains aspects, comme 55%. Vous avez fini à genre 52% de la 3 points euh, hier. Is it, is it ok vous avez rentré vos shots. Comme mm -hmm. je peux pas, je peux, je peux pas rien dire, mais je veux dire que c'est quand même un très haut pourcentage de shot completion. Euh, C'est-tu à cause que les Mavs avaient une très mauvaise defense oh. euh, contre Boston? Reste à voir, mais congrats! Moi, mon hot c'est que les ceux qui Shot ont vraiment aidé Boston à, okay. à kill la game. Euh, moi, mon côté, euh... oui, je veux pas. Dire que je ne suis pas surpris, c'est un mensonge. Parce que oui, j'étais surpris. <laughs> euh, moi, je pensais que l'Ouest était meilleur que toutes les équipes dans l'Est, y compris Boston. Le West est toujours meilleur que l'Est. Oui. Mais Boston C est dans un autre. C'est ça, exactement. Mais moi, je le disais, nous, on disait, moi, j'étais comme les gars au State, tout le monde qui parlait des, des, des maps, ma, ma, je disais, l'équipe le, qui sera en finale de l'Ouest va battre non, Boston. Boston parce que Boston a eu un chemin trop facile, ils ont pas connu de vrai content 2. Les gars sont réveillés game 1-2, ils m'ont prouvé le contraire. Ce que, quand Porzingis est arrivé, j'ai dit qu'on n'a rien de bon, il a bien performé. Même Tatum était un no-show, um, no first game. C'était Porzingis, uh, Brown, uh, Holiday, puis White. Tatum était juste là posé, rien de sérieux. Game 2, Porzingis n'est plus là, ils ont quand même killed the, killed oh, the thing. Hey, so game 2, pour moi, c'est pour dire aux gens que j'étais surpris. J'étais « oh, ok, Boston is real like that. Et ceux qui chutent ou pas, Defensively, ils ont shut down. Ben, shut down. Ils ont bien, ils ont showdowned Carey, clairement. Ils yes. ont showdowned toutes les stratégies euh, d'envoyer le ballon à P.J. Washington sur les corners. La P.J. devait... Useless. Sh... PJ devait shot à, à des angles qui n'étaient pas habitués. Euh, Gafford, no show. Euh... Kleybert, uh, trash. Sh... Kleybert, oh my God, get, get, get him out. Oui. Tellement, c'était affreux. Je me suis dit, est-ce que Carey va rester là avec les Mavs en voyant les coquilles qui sont tous trash? Luca, Brown a fait le mieux qu'il pouvait. Lively a bien joué. La vie a bien joué. La vie a bien joué. Euh, joué. Lively, Derek, ouais, Derek, Derek Jones plus. a bien joué. Derek Jones. Il est jeune il encore, so Donnez-lui une chance, il est genre 21 ans. Là. Oui, mais Derek Jones. Non, Derek Jones est plus vieux que ça. Et, y a, y a bien, tu sais quoi il a bien joué? Parce qu'on on, l'a mis à des, à des places qu'il ne fallait pas qu'il soit là. Puis ça, c'est grâce Et, au Boston. A, ouais, puis puis il s'est il a pas mal joué. Ceux qui ont bien joué pour moi, c'est Lively. Lucas. Même Lucas. Luca, ouais. Lucas, ouais, Luca, il, il fait le snap souvent. Okay. Mm. Euh, Gaffreux a fait ses affaires, mais c'est lively. Gaffreux ne peut pas jouer en même temps. So, c'est tu... toujours un des deux qui shine. C'est comme mm -hmm. si un shine l'autre pour rien. So, c'est déjà off quand un des meilleurs gars qui veut jouer dans ta team, les deux ne peuvent pas jouer en même temps. Puis euh, après, Kaori. Ah, comme, comme je vous ai dit, là, quand on parlait dans l'autre podcast, oui, vous m'avez fait le, le, le rabaisser que je ne voulais pas, mais mm -hmm. c'était ça, tous les players. Il est capable d'être greatness comme. De 30 à 30, 40 points, mais c'est comme c'est comme si c'était un mirage. Tu oublies qu'il fait des games de 12 points. Mm. Veux... Il a fini combien Parce que, je... non, là, j'ai. La dernière game T'allais sleep euh, au half. Là, dernière même, game, il a, fini oh. avec, je pense, il a fini avec 12 ou 13 points. Ouais. Il a fini ouais. avec 15, mais je voulais dire, il a fini avec genre 2 en. Ou genre 4 ah, ouais. en, quatre je en 15. Genre. En... Il ne shootait il pas. pas il, shootait parce que... Que... il y a le numéro 16 dedans. Je sais qu'il y avait le numéro 16. Maintenant, est-ce que c'est 4 je pense que c'est 4 en 16, je vais vous dire ça. Parce que NoLie, euh, moi, au halftime, j'ai fermé ouais, la no, du jour have... Non, après, la l'achat de Pritchard, c'était c'était 10 Oh, fini, c'est fini. Fini, hey, mec. L'autre partenaire, il, 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 quand on tu il rate ses futurs oh, encore. donne le ballon mais à Pritchard. Pritchard. Je ne sais même pas c'était qui le final MVP. C'est Jalen Brown. Jalen Brown, il l'a donné à Brown. Jalen Brown, il l'a donné après pour voir s'il le méritait. Il l'a plus mérité que Mais 5 en 16, K.U. J'avais dit. Non, non, c'est pas assez bon. Non, c'est pour ton numéro 2 sur le terrain, séquence 16. Ah, c'est pas assez bon. comme Mizogod a dit, je donne des fleurs parce que je la colle. Les profs c'est quatre games-là, 15, 21, Une game 35, c'est la game où ils ont massacré les gars. 16, 12. I'm sorry, man. 16, 12. En finals. C'est absolument trash. C'est absolument trash. Comme, je suis désolé, t'es rendu vieux. Mais bon voit qu'il est rendu vieux, c'est juste. Le Boston crowd est ah dans sa tête. Et... Ah le Boston oui. crowd est dans sa tête. Kyrie uh, uh, suck. Uh, uh, sucks. Socks, sorry, sucks. Sucks. Uh, non, non, le Boston Ouh. crowd est dans la tête de Kyrie. 100%. Il n'y a pas encore go past euh, le fait que, comme le whatever beef qu'il y a avec les Boston fans. Les, les gens de Boston, it. on pas l'aime pas Comme Ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le donner une chance. Oh, bon, oh maintenant que tu as, as l'air d'être good à Dallas, on, on va être gentil avec toi. Là, donc, non. Dès qu'il voit que Curry c'est onside puis Curry il mm. il can't take it right now, tumble, tumble it. 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 So next question, euh, on a eu le MVP sur la NBA qui était Jalen Brown, euh, mais pour nous est-ce que c'est qui le MVP des finals et le plus grand loser euh, des finals? Bon, grand loser on vient d'en parler. <laughs> c'est euh, pas le casé, c'est Curry Curry, 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 Curry clairement. MVP est-ce que vous trouvez que Jalen Brown? Là je parle juste pas des playoffs au complet, parce que playoffs ah, au complet Les playoffs au complet, juste les finals. Est-ce que vous donnez à, à Brown? ou à quelqu'un d'autre non okay. ça, ça reste Brown euh, défensivement il était partout offensivement il était aussi bon sinon meilleur que Tatum certain days je sais que Tatum a le lead en points assists puis rebound. rebound mais defensively Jalen Brown a tout fait il a fait des steals il a fait des blocs des important des important plays pour euh, le Boston puis pour moi c'est Jalen Brown all the way euh... Moi, je ne je, je peux pas l'enlever à Dylan Brown, mais je vois qu'ils auraient pu, je, je pu donner à Tatoum, puis j'aurais dit c'est correct. Mais mm -hmm. moi, Inouis, anyway, MVP, quand je regardais les games, c'était toujours Jolly D. Yeah, no, euh, Jolly D. Euh, le, le gars, tu regardes le match, Tatoum voir un but qui prend l'offensive rebound, Joel Qui okay. tippe le ballon back à, à Dylan Brown, Joel mm -hmm. Comme il, même pour la dernière game, on rebonds euh, Non, mais ils ont commencé la game, tu vois, avec Boston et... Oh, ils ont comme, donné la balle à Jolly Holiday, genre... Ça rentrait pas, c'est Jolly Holiday qui a scoré ouais. les points. Mmh, il est parti de la machine. Dans la game que j'ai de Blowout, le seul qui scorait des points, c'était Joe Holiday. C'était mmh. le seul gars qui était genre... Que je suis là, genre comme... Puis ça, ça a donné au gars genre, une petite confiance pour après ça, découvrir la game. Pour yes. moi, je trouve que Jolly Holiday, c'est genre un unsung hero un pour un la team. So. for real, pour, hein. moi, lui, pour moi, c'est lui. moi, c'était lui, moi et ah Même Derek White, ah, des, des puis, Même Derek White aussi. Derek... Toute, mais toute la team. Toute la team était là. Ils avaient chacun un rôle. comme Mais Holiday... La seule pourquoi oh, il pas 25-30 points à chaque game, c'est qu'il donne le ballon. De... Exactement. Yeah. Clairement, il aurait pu le faire. Oui, oui. Et... oui. Rebond, il était toujours là, comme tu as yeah. dit. Puis, puis, il a shot down carry. Puis, il a shot down carry. C'est lui qui a shot down carry. But I'm sorry to tell you. Pour moi, RDD, c'était le boy hey, pour moi. Coming, coming into the series, on savait que c'était ça le match-up qu'il fallait regarder. Oui, exact. Puis on l'a vu, puis on l'a apprécié, puis on a vu comment RDD, euh, l'échange de l'avoir retiré des box, c'était la plus grosse erreur des box. Uh, big Three, I told you guys, Middleton, Holiday et <laughs> Janice. J'aurais donné Middleton, j'aurais regardé Drew. <laughs> Yo, ouais, on l'a hanté, puis je te dis depuis un bout. Middleton est pas parti que Big Ok. <laughs> yes, yeah, c'est Holiday, Janice. That's it. Anyway, next uh, question. To Pete, ou non? Ah, mais pour le. Oh. le T'as dit le plus gros boss, loser. loser. Moi, je pensais c'est Chich. Ben non, euh, chien, mais non, t'es chien. Je vais te dire pourquoi. Parce que, -y. Il y a des points, il y a des bons points. Je vais te, points, te dire pourquoi. Pis, moi, c'est la raison pourquoi je pensais que Boston pouvait gagner. La personne qui se faisait attaquer tout le, à tout moment sur le court, c'était Don Dontich. Defensively, les gars, c'était Tu vois comment tu traites Gobert? Dontich était foud. Oh, oui. Okay. oui, oui Dontich oui. était foud. Oui, il, était, il, comme, no. il, il faisait des défenses. Comme je le voyais sur le, sur le court, puis on disait il savait pas où aller. L'autre affaire avec Donchich, c'est comme. Puis ça, on a regardé la game ensemble. Donchich commençait avec 20 points, 25 points, first half. Il est avec 30 points dans la game. Il n'y a pas de juice pour qu'on compete all game. Genre. Il commence bien les games. Mais pourquoi tu disparais comme dans la second half de la game, genre so, Donc, était le gars, je pense, qui, comme. Il y avait jamais le. Il y avait jamais le poste le sur la game, genre. Même quand. Il a jamais su être capable de, de, de faire Kyrie être bon, il a jamais essayé de genre de dire Ok, on, on va laisser Kyrie monter le jeu, jouer au pace de Kyrie. C'était toujours comment lui il veut jouer, puis quand ça fonctionne pas, il chale au ref. Donc, moi je trouve que le oui, Kyrie c'était horrible, donc tu ça paraît bien parce qu'il il y, y, y a les stats, les points. mais en même temps, c'est toi le leader de la team. Puis moi, pourquoi vous avez vraiment perdu C'est parce que les gars avaient trouvé c'est qui le weak link en défense, puis c'était toi, Ed. C'est vrai. Puis je vais rajouter le, le, le fait que offensively aussi, Donchich n'était pas capable d'améliorer aucun joueur des Mavs. À part Lively. Et c'est ça qui a tué la game parce qu'il n'était pas capable d'avoir personne d'autre open que Lively. Ou ouais. lui. Parfait. All right. Uh, to Pete, Boston Non. Je vais commencer. Je vais dire. S'ils gardent la même team, puis pour Zingus, la chirurgie passe bien, il peut revenir à Elfie pour les playoffs l'année prochaine. I don't see why they would not do it again. Je vois pas quelle autre équipe peut leur faire du mal à part les 76ers. Je parlais avec mon cousin, il me disait Wow, well, si Jimmy Butler va aux 76ers, les Bostons n'ont rien de bon. Parce que euh, Miami, Jimmy, c'est la kryptonite des euh, Boston. Et moi, je lui ai répondu que non, le squad est plus le même qu'avant. Pour les D sont là pour une raison, surtout Holiday, Holiday D vont shutdown down Amy Butler Et euh, c'est pour ça que je pense qu'ils vont être imbattables pour les années si ils gardent le corps qu'ils ont Même dans l'ouest, je ne vois pas qui pourrait, vraiment pas des Denver, je pense pas que ça, ça pourrait arriver le corps, Je pense que Boston peut faire un toupie, s'il s'ils restent de même Mais, nouvelle génération, money hungry, ça all about the money now So I don't think, if they don't keep the same core Dead. Il n'y a, a personne sur un contract here sur Boston, sur les Celtics. Leur contrat finit l'autre année d'après. Ils, ils pourraient aller tout avec le même le même voilà. setup. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire? I don't think so. Oh! Euh, je, veux pas, je veux pas dire que c'est une dynastie qui a commencé parce que. J'aime déjà pas comment Tatum a agi après le... Oh. A, a, après avoir win. Il a fait quoi? Il a essayé d'imiter KG. Il essaie ah a essayé d'imiter euh, um. Kobe. Il a imité un autre quand il est allé sur le stage après. Ouais, Un euh, canier, ouais. ouais. Il a comme... Uh, we'll never know. We'll never know. Comme, il, 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 il a, il a essayé d'être too much Ouais. Il pas qu'il gagne, mais il pourrait. Moi, je pense... Mais je vais pas dire que c'est une dynastie, parce que, pour moi, il me faut at least un 3-ring. OK euh, style euh, Mais je pense que moi, je suis du camp qui gagne l'année prochaine. c'est euh, Pour moi, j'ai toujours, toujours le weakness de Boston. Il y a juste deux teams qui l'ont dans, dans toute la NBA. C'est Denver puis c'est 76 ers Ils peuvent pas Il jouer un écoute, un Non, non, non. Un qui est gros. Et pis... Miami a à, à Smack Boston. Non, euh... ça c'est parce que les gars étaient mentalement weak. Ok, ok, okay c'est euh, bon. Moi je vous le dis, maintenant, oui. Parfait. Puis je pense que justement, Boston, c'est toujours été une équipe que comme ils ont appris de leur défaite. Ça n'a pris, ça, ça pris beaucoup, mais ils ont appris avec. Mais, tu, <laughs> que tu as... mais les gars, ont quoi euh, Tatoum a à 26. 26, puis ah. Brown a 27. Et comme Tatum a gagné avant Jordan, il a gagné avant c'est comme... Tu regardes ça, c'est des affaires de genre... c'est une maturité de basketball qui arrive. Maintenant qu'ils ont gagné, puis qu'ils ils ont battu l'affaire, c'est comme si ils sont en position pour faire de un affaire à la genre warriors parce que leur mm -hmm. team est actuellement stack oui. puis il y a pas beaucoup d'équipes qui ont le leur weakness euh, qu'ils ont comme puis vraiment Djokic si Djokic joue contre eux puis Djokic est agressif Boston ça va faire mal c'est la seule équipe qui les a battus la saison ils ont battu deux fois puis c'est vénitieux un il check toujours un problème au Celtics parce que il les Celtics ils ont pas un gros big comme, c'est déjà qu'un beat va, va, va craser, va le ah, oh, euh, À part ces deux équipes-là, je pense que Boston est meilleur que toute la NBA. Mm -hmm. so, il y a juste des injuries qui peuvent les vraiment dire, ou s'il y a un trade qui fait vraiment du sens pour une autre équipe. Parfait. Mais je ne vais pas aller plus que deux wings comme D'ailleurs, Je ne pense pas nécessairement qu'ils vont faire un Toupit, mais je pense qu'ils peuvent faire un Toupit. Euh, Qu'avez-vous pensé des players cette année euh, Je sais que tu avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Vas-y. Oh, faudrait, je dirais que <laughs> le Bluff était déjà plate. <laughs> ouais. Bluff était vrai, vraiment plate. Euh, dans l'Est, on sait déjà. comme Oui, je te regarde. Je file le bosson, mais je peux vous dire que j'ai pas regardé les games avant qu'ils soient contre euh, les pêcheuses Ouais. <laughs> les ouais. Les paceuses, même les pêcheuses Même les pêcheuses Non, mais c'est ça, dès que Halliburton s'est baissé, Gigi vague. Euh, dans l'Ouest, j'ai regardé Dallas beaucoup. C'est pour ça que, comme j'ai eu pour eux jusqu'à la fin, jusqu'à quand ils seront en finale, c'était excitant mais je trouve que comme les équipes n'étaient pas... Euh, comme il n'y avait aucune série que j'ai trouvé qui était vraiment... À part peut-être euh, OKC, OKC contre Mas, Dallas, ouais, ouais, c'est ça Oui, c'est ça. je pense que c'est la série justement qui a blindé les gens à, à, à croire penser. que Dallas mmh. pouvait mmh. gagner. Mais même les finals donner trois jours de congé en chaque game. C'était vraiment... C'est plat. Ouais. J'oubliais qu'il y avait une game de playoff. Ouais, ouais. ouais. Euh, toutes les games de finale étaient comme presque double digits. Comme... Peu importe qui gagne, tu gagnes par comme 10 points, so, um, aucune compétition. So. Non, aller, le playoff, c'était vraiment trash yeah. euh, Je suis du même point de vue que Nikki. Malheureusement, t'sais, les, les games de, de l'OS sont un peu tard pour nous autres ça, ici. Euh, J'en ai pas vu beaucoup, mais l'OS était vraiment meilleur que, que, que l'Est entertainment wise. Donc, so, je suis du même opinion que Nikki. Puis après les finals, ben, bro, tu peux pas te faire euh, quasiment swept dans les finals. Pis, que c'était une bonne série. Ça fait d'accord avec vous deux, guys. Moi, c'était les, les blowouts. Là. Les blowouts tout, toutes les blowouts, c'était une game blowout après blowout, après blowout. Après blowout. Et c'était. Channel Blowout Association. <laughs> c'est comme. <laughs> Come on, guys. Là, man. Il faut que... un peu plus de rivalité. Il n'y a, il y a comme pas le même cœur puis passion qu'il y avait avant. Actuellement, le round qui était intéressant, c'est vraiment quand il y avait Denver contre Minnesota. Puis en même temps, ouais. OKC contre Mavericks. Ça, c'était le first round. Non, c'est le, second 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 le seul. Après ça. Tout le reste. C'est comme, comme tu disais. Plus plus que, ça fait longtemps que ce channel existe, mais le trend de third quarter va tout révéler. Mm -hmm. C'est for real. Cette, cette série-là, c'était le third quarter. C'est le third quarter. Il y a un lead, la game est terminée, tu veux arrêter de regarder, tu veux voilà. qu'elle gagnée, gagné. C'est wack. Ok. Vos trois top meilleurs moments des playoffs et vos trois pires moments. Les sont... Ok. Euh. Atman, Quand ah, on a vu Hitman était about that life. Quand ah, il est venu, puis uh... il y a. Il n'a aussi pas été about that life. Il <laughs> Le round après. <laughs> yeah. Il y a about that life. Um, uh, un moment pour moi, quand Dundee quand, euh, a perdu. <laughs> ça va ensemble, je sais, mais ça un moment pour moi. Et. Um, hmm, Pendant qu'il rock son Lakers jersey. Et puis. Uh, c'est tough oh c'est tough et puis je je pense que ça serait plus facile moi c'est l'injury à Embiid. yes oh ouais quoi d'autre quoi la déception des Mavs en finale puis le manque de compétition dans l'Est quoi c'est ok définitivement le manque de compétition dans l'Est pas que je pense que Boston va still smack tout le monde Qu'est-ce Bon le, bon le meilleur moment, j'allais, le meilleur, meilleur moment, je pense, c'est... toi, oh, ça doit être laissé oui. Ouais, c'est sûr. C'est pas comme si je, je suis content de certains ça gagné mais c'est pas comme si, genre, toi, quand tu vois l'affaire déjà, c'est pas aussi <laughs> excité, genre, tu mais quand même, quand comme déjà vu. Moi, je voyais la cale, genre, c'est juste que j'étais là à me battre avec des gens qui essaient de me faire croire que Dallas devrait être l'équipe favorite, genre. C'était ça, ça mon beef, c'était ça mes finals Les points font mal. J'étais vraiment, vraiment là J'expliquais les cas. gens, les gens, mais pourquoi vous pensez que Dallas va gagner J'ai d'expliquer stratégiquement, stratégiquement, mais le monde était comme, pas ah, caca. Ah ouais C'est ça. Mais pour, pour le vrai high moment, euh, c'est sûr, c'est dans, c'est définitivement le... le Denver comme Dallas. Denver, non, Denver euh, Minnesota, puis Dallas. C'est ça, c'est le meilleur moment que je trouve en playoff. C'était ça le high moment. So, ant probablement, c'est lui qui a mis le plus de hype mm -hmm. dans les playoffs. Oui. Parce déjà Jay a été. Ben, on va anyway, On verra. Je vais pas parler yeah, de, de lui. De pas lui, de lui. Non, on va parler de Non, il dit. a, a rien fait, bro. Encore, il a pas encore show up avec un pistol à quelque part, là. So, c'est vrai. Il une chance. Est-ce que Kerry reste à Dallas? Ouais. Je peux. I never see what he's going to do, so. I don't know. Oui, euh, il look happy. Il peut encore aller adhérer. Je pense pas qu'il s'en va. Euh, dernière fois, congrès à Boston pour leur euh, champion. Boston c'est sont les champions de la NBA pour l'année 2023-2024. congrès à eux. Alert, rumor. Gens... <laughs> okay guys, euh, selon un, un gars proche de LeBron James, Nicole. Ronnie, LeBron James va les rejoindre, <laughs> Wemblee aux Spurs. Good stuff or bad? Moi, je pense que c'est le best thing I've ever had. C'est ça ou c'est la bouche? C'est la bouche. Attends. <laughs> je vais t'expliquer pourquoi. Wemby, mm. c'est clairement le, le prochain phénomène. Wemby. Well done. Ronnie is not that guy. Non. Mais avec quelqu'un qui mesure 7 pieds, toi, tu mesures 6 pieds 1, puis tu le feed correctement, puis qui open le space pour toi, a l'air d'être that guy. Puis LeBron James a demandé à son fils serait le meilleur move pour toi pour que tu battes ton nom. Parce que présentement, nobody wants you. All right. C'est pas vrai, bon Comment? Ah, C'est une <laughs> rumeur. Faut penser. C est, c est... Moi, je m'en hey. fous. Les rumeurs, là. Comme plus t'entends les gens « Bronny va aller là, Bronny va aller là, Bronny va aller là. » Ça arrête juste de dire qu'il va aller nulle part. Il va être free agent. Wow. OK? Moi, je, moi je, je vois juste des comme On parle de lui pour chaque équipe, chaque équipe. Mm -hmm. Mais à DNFDD, tu vas avoir le fresh round passé, personne ne l'a pris. Second round passé, personne ne le prend. Comme, c'est son talent, devrait, comme, il devrait avoir un talent qui va être bon, peu importe l'équipe qui va. Genre. Comme, mm -hmm. Il ne doit pas être associé à un joueur qui est déjà là pour dire qu'il est bon. Même si le Blanc veut vraiment pousser Blondie, genre, c'est comme va fait en c'est pas. Comme il ne devrait pas s'attacher lui-même à, à Blondie, genre. Tu comprends Il ne devrait pas dire, si Blondie va là, moi je vais là aussi. Comme, il doit être comme, même si Blondie se fait draft à San Antonio, moi je reste à LA. Où je vais dans une autre équipe, mais je vais parle à San Antonio. Prenez-le lui pour lui, pas pour, pour un package deal. Yep. La pour la NBA, d'autres choses à parler Yo. Parfait. Euro, Woo, ça mm. a commencé le 14 juin, mm. guys. waouh waouh wow, mais en même temps, God damn it, <laughs> j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de l'euro 2024. Moi, oui, et, et, et je suis vraiment déçu, mais gars On va commencer toujours avec le la, la rage, tout de suite, on va en ordre. Comment ça avec ta rage? Je sais que t'as un, un petit rent à faire. Fucking France, man. <laughs> Je suis plus capable de ces gars-là. Tu joues contre l'Autriche. Toutes pas les équipes dans l'Euro, c'est des bonnes équipes. N Oublie pas ça. Okay, pas des mauvaises équipes. Mais France est où dans le classement avant cette game-là? Quand on a commencé la série, First overall. Thank you. Maintenant, on sera peut peut-être sixième. Cinquième. Non. Max, cinquième. Non. Italie? Non. En top? Non. Avant un <laughs> <les> autres? <laughs> Avant France? Ben oui, mon chien. C'est juste une game C'est à, à date, oui. Parce que... Parce que clairement, ça fonctionne pas. Mais je pense l'Autriche est une meilleure équipe que l'Albanie. Oui. So... Oui, clairement. Mais France est une cinq fois meilleure équipe que l'Autriche. La... Que, que Et l'Italie aussi. So, tu... Non, mais c'est ça. Ils ont joué une mauvaise game. Ils ont joué une mauvaise game. Oh, c'est une mauvaise game. Ils ont eu l'opportunité, ils ont pas réussi à scorer à scorer, Je vais arrêter de le dire parce que j'ai compris. Mbappé, qui est un bon joueur, s'est fait déranger toute la game. Le gars avait une, avait une, position, une chance de marquer 1-1. One -on -one. Ça l'arrive. C'est rare, rare qu'il va manquer ça. Ça l'arrive. Ouais, euh, la oh, la Nadine, ils ont gagné. Ils ont gagné la game. Mais 1-0. C'est pas grave, ils ont Mais... gagné. Bah... Un échec dans ces tournois-là pour ces teams-là, c'est actuellement Comme Perl. quand tu joues actuellement c'est actually perdre. Ou oui. Tu as, as joué trash, puis tu gagnes. Parce que. Dans ces même -là, en l'emprunt t'as joué trash, puis ils ont still gagné. Dans ces tournois-là, l'important, c'est le build-up jusqu'au final. Tu comprends Tu ça. peux commencer mal. Si tu es capable de pick up les wins ou after-win convaincant, bien jouer tu vas aller all the way. Comme si tu commences en perdant, et là, tout d'un coup, tu vois, tu es pas capable de, de bien jouer, puis mm -hmm. tu te fais éliminer. Parce si que tu te fais éliminer. Parce que des fois, tu prends ton groove après les, les, les groupes Sage. Là. So, la première game, même s'ils ont eu des friendlies, ils ont essayé plein de shit, c'est pas comme c'est... Tu parles la première game, là, de zéro point. Puis, ils gagnent. Puis, l'autre team, team du groupe gagne. T'es es trois, points, trois points derrière. Faut, vraiment, faut absolument que tu gagnes les deux prochaines games. Faut que tu battes l'autre challenger du groupe. Exact. Pour okay. penser... À passer, puis après, l'autre challenger peut juste park le boss, puis te, te stop, faire un tie, puis c'est eux qui passent. C'est tough. Le, la première game du tournoi, c'est tout le temps la game la plus importante. Tu gagnes cette game-là, tu te mets, tu te set up pour le futur. Comprends. Ben. Parfait. Vous n'êtes pas, pas surpris de ça Seulement 1-0 Non. Ça, vous me dites. Je moi, je Ben, surpris. Non, parce que toutes les games, il y a eu de début, mais toutes les games ont été têtes. À part. L Allemagne, Certaines. <laughs> Allemagne oui, Espagne oui. puis euh, Roumanie que je m'attendais vraiment pas à la Roumanie. Euh, mais sinon toutes les games sont telles, c'est des one one go games euh, l'euro, tu vas pas voir comme rare que tu vas voir des blowouts comme ça. Comme okay. tu regardes les, les, les même les, les, les autres pays, ils ont une stratégie, ils arrivent comme c'est plus ils ont une façon de jouer qui sont implémentées puis et la façon qu'ils vont jouer, ça va comme et les, les grosses équipes, ils ont déjà ils sont déjà en train de gameplay puis ces gars-là ils ont plus de ils sont plus habitués à jouer ensemble. Mm -hmm. que Comme l'équipe d'Autriche joue plus souvent ensemble parce que c'est toujours les mêmes gars qui jouent que l'équipe de France qui rotate parce qu'ils ont plein de joueurs, choix Il de là. bons joueurs. Donc eux, quand ils arrivent, là, ils savent déjà qu ce qu'ils vont faire. Ils sont Donc, plus ou moins prêts. Ouais, c'est ça. Donc, au début, ils ont plus de chances de faire une surprise qu'en fin de. Comme après deux games, les autres ah, équipes donne, vont savoir comment ils jouent. là Donne deux, trois games à l'Italie, ils vont avoir, ils vont paraître encore mieux. Donne deux, trois games à la France, ils vont paraître là. encore mieux s'ils font pas trop de rotation. Là. Ouais. Euh, les Pays-Bas, l'Espagne. Déjà, l'Allemagne avait live on fire, puis c'était si ouais. même pas, comme, comme ça n'a pas encore cliqué. Ok, ben on va aller. À la première saute, ma question c'est êtes-vous surpris, oui ou non En détail, on peut parler en détail, vous commencez, mais là, je vais mettre toutes les games. Allemagne versus Écosse. Surpris Non. Ben, ouais. de la cale, oui. Euh, je pensais pas qu'ils allaient foutre un bâton comme ça, mais non, non du win. Moi, j'avais marqué 3-0, ça finit plus que ça. <laughs> Mais Allemagne, a, le, le tournoi est chez eux. So, est, moi, le premier ouais, game, c'était sûr que ça allait être un smack. J'ai pensé la même chose que toi. Suisse versus Hongrie. combien, ça Et un La un, Suisse qui a gagné, gagné. 1-0, 2-0, je pense. 2-0, ouais. Hein. That I am surprised. Really um, Suisse a gagné Ouais. Euh, Hongrie, c'était mon Dark Horse. Ouais, c'est ça. Ils, ils, ils ont perdu. 3-1. Ouais, c'est ça, c'est 3-1 que je suis surpris, actually. Pas enfin, qu'ils aient nécessairement perdu, mais j'aurais cru, genre. Soit un taille mm -hmm. ou euh, comme une défaite, peut-être par un but. Euh, espagne versus Croatie. Euh, totalement surpris. En fait. Non. Moi, non. Moyenne, oui, moyennement déjà. surpris. Eh. Je savais que la Croatie était vieille, mais je exact. pensais pas qu'elle allait se faire smack. Exactement. <laughs> espagne, c'est pas une des top équipes de cette année. Non. L'Espagne, c'est l'Espagne. Oui. Donc, On comme bon Exact. Mm -hmm. Mais. La qualité des joueurs n'est vraiment plus la même chose que l'Espagne qui a gagné back to back euh, Euros oh. et okay. uh, World, World Cup. Cup. Moi aussi, c'était vraiment. Je m'attendais à ce que Croatie peut-être même il pourrait faire du groupe stage, mm -hmm. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils prennent 3-0. Je, je ah, la performance qu'ils ont faite contre l'Espagne, je pense que Albanie pourrait battre la Croatie. <laughs> okay. Ça, c'est à quel point j'étais okay. surpris okay. De, wow. de la Croatie. <laughs> guys. Il pourrait se il pourrait faire un groupe. Qui est-ce qu'il y a dans ce groupe-là d'ailleurs Dans le groupe. -là, un groupe? Ça, ça. Dans le groupe, il y a. Euh, avec la Croatie, c'est sa Croatie. Ok, c'est Albanie, et Italie. Ah, okay. C'est le groupe de la mort. Okay. Problème. Problème. Italie, Albanie. Tu as pris Non. Non, non Non. Ça va être 2-0. Moi, je trouve qu'Albanie. À... Ouais. Ça, ah, aurait, hein. dû en fait, ça aurait dû être 2-0. En fait, ça aurait peut-être dû être même plus 3-0. Mais. Euh... Non, pas surpris, on a totalement dominé. Euh, on a pris nos petites chances qu'on a, qu a pu. On en a raté une coupe. Euh, on a fait une erreur à fucking 22 secondes au début de la game. Puis je pensais que ça allait nous tuer, mais on a come back. On a marqué tout de suite. On a remarqué. On a taken le lead après, tout de suite après. Contrôler la game tout le reste. P.B. Ben, c'est Pologne? Euh, P.B. Bah, a win, mais c'était tête. Ouais, c'était euh, je Non, j'étais pas surpris. Ah, c'est une game normale pour oh, moi, ouais. Ouais attendait à ça, puis Lewandowski euh, jouait pas. Plus, ok. Slovanie et Danemark. Ça, c'est la <laughs> ça. game que Slovanie est venue tailler la game. Ils ont gagné ou pas? On a fini... Euh... Ça, 2-1 ou 1-1? Je crois que ça fait 1-1, oui. C'est à la fin, il, me semble. Ça, ouais, ouais. Le... Non, moi, Danemark, euh, si, si. je pense qu'ils en font beau. Ils en font beau, celui-là. C'est comme à la fin. C je regardais la game, puis c'est genre, on dirait Danemark et c'est juste de. Tu vois, quand tu essaies de t'enfuir avec le, le Windsor, mais. Attends, attends, Slovanie a marqué. Non. Danemark, Danemark a marqué, c'est ça. Slovanie a taille la game. La game la game, ouais, ouais. Mais c'est comme si. Danemark... Mais après, il était en train de hold on. Ouais, yeah, c'est ouais, ça, ouais, hold on for life, c'est ça, ouais. Comme... Mais même avant que euh, Slovanie marque, <laughs> Danemark était déjà en, en ce mode-là. Ouais, là, comme... Puis Slovanie a marqué, puis ils ont été chanceux de. de... Ça soit pas 2-1. Hein. C'est ça, ils auraient dû perdre, actually. Serbie versus Angleterre. Le résultat, je suis pas surpris parce que l'Angleterre a gagné un 0 oh. mais la performance absolument horrible de l'Angleterre, équipe ouais. les équipes actuelles. That bad. La Serbie aussi était très, ouais. très 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 trash. Ouais, ouais, ouais. Euh, aucune, comme il y avait aucune. Mais pour dire en défense, l'Angleterre a bien joué. La Serbie était pas capable de rentrer dans la boîte. Il n'y a aucun shot qui avait là, qui pouvait faire du sens là. Non. So défensivement. Ils semblent bons, mais en offense, vous devez rester horrible. Mm. Et, ils ont marqué un but sur un Squash, cross à Bellingham. Bellingham, ouais. Mais sinon, euh, les gars étaient. Ils faisaient rien. Foden n'a rien fait. Harry Kane n'a rien ah, fait. Ouais. Euh, Saka, <coughs> un petit peu. Euh, je ne sais même pas c'était qui qui jouait à gauche. On l'a mal vu. Je ne sais pas c'est qui non plus. All right. Euh, Romani Ukraine. J'ai pas vu celle-là, mais c'est une surprise. C'est une surprise. Mais celle-là, je l'ai manqué malheureusement. J'ai vu le highlight. Oh, les buts étaient fucking nice. Ouais. Euh, moi, totalement surpris. Euh, L'Ukraine, je les ai eus dans, dans nos groupes de qualification pour les euh, deux dernières qualifications. Puis ils me tapent sur les nerfs quand on joue contre. Euh, quand l'Italie joue contre eux. <laughs> J'étais fucking surpris euh, que Romani les smack comme ça. Ouais, euh, D'ailleurs, l'Ukraine, maintenant, je pense qu'ils vont avoir un problème même contre la Slovanie. Je pense qu'ils vont jouer. Euh, euh, Next game, game. Parce que, euh, clairement, ils n'indulent pas très bien un press, ouais, le high press. Euh... Bon, mm -hmm. euh, Belgique versus la Slovanie. Slovanie oui, euh, ouais, exactement ça. Je vais laisser Niki commencer parce que je bro, sais bro. ce que je veux dire. cette game-là <laughs> euh, la Belgique. Puis, pour le vrai, je déteste l'équipe de l'Angleterre. Ouais. Mais j'ai réalisé qu'il y a une équipe qui est encore plus décevante que l'Angleterre. Et c'est la Belgique. L'Angleterre, au moins ils avancent, puis ils sont éliminés comme groupe... Ils sont mal éliminés. Ils sont mal éliminés, mais comme dans un knock-out stage. Belgique, from day one, chaque tournoi, font quelque chose de stupide. pas quand ils jouent contre le Canada. Puis, C'est comme si, yo, les gars ont regardent, gars, ils ont Lukaku en pointe. Le gars est invisible, jusqu'à ce que tout de coup, le ballon tombe sous devant lui. Exact. Puis, ça tombe qui est offside. Toujours offside. Okay. Où qu'il faut. Où qu il Où faut, faut ouais. quand, quand il marque, il est offside. Quand qu il ne marque pas, ben, il est euh, ouais. le gardien, est dans ça. du net. Euh, dans, dans cette game-là, ils ont mis De Bruyne comme vraiment en avant. Mais il fallait qu'il vienne chercher le ballon totalement. Comme il n'y avait aucune cohésion le, le la défense et l'attaque. Euh, puis le seul gars qui faisait des plays, mais que, que je trouve que c'était genre comme un détriment à la team, c'était Doku. Mm -hmm. Tu voyais qu'il pouvait créer quelque chose. Mm -hmm. Mais il ne faisait pas la bonne affaire. C'est comme, il peut battre son joueur, mais après l'avoir battu, il faut que tu trouves une façon de faire une passe. Genre. Il, y a il a trouvé jamais. Il a trouvé jamais. Genre. So... Mais il est comme ça pour me, Cili aussi. Je ouais, comme... cherche un que Cili, c'est comme tout le monde, c'est des stars. Exactement. C'est comme, comme si c'était un gars, qui tu... dis que ce joueur-là est bon, il peut faire quelque chose, mais il ne donne pas de team. C'est aussi okay. so... so, lui, il n'est pas grave de marquer pour sa propre tête. Mmh. C'est vrai. So, dans cette game-là, j'ai été très frustré de, 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 de regarder. Malgré ça, ils ont fait refuser deux buts euh, Belgique. Mais le, quand je regardais la meilleure team entre les deux, le build-up play de la Slovénie, j'étais comme. Mm. On que c'est eux la Belgique, c'est eux qui doivent être favoris. Donc, <laughs> um, so, gros, gros win. La « Golden Generation de Belgique, uh, c'était. C'était. Back in the days, quand il mm. y avait Dries Mertens puis uh, Raja Nengolan. <laughs> il dit, il veut recommencer. Parce que <laughs> Golden Generation est, est fini ah, en, en Belgique. Peux-tu enlever Lukaku comme attaquant ah, Mais oui. Euh, oui c'est lui le encore le la star de l'équipe. Parce qu'il fait, le fait tous ça. les buts non, non, en qualification. C'est pas lui la star de la team. C'est pas lui la star de la team. C'est KDB. Mais il est là euh, parce qu'en qualification, il a fait comme presque tous les buts. Genre. Il est capable de marquer des buts. C'est juste quand il arrive dans des gros ah. moments, comme ah. Champions League final, comme oh. Celia aurait pas dû gagner, ça aurait dû Lukaku qui, qui marque à deux pieds du net, hmm. mais il a crissé sur le goal voilà C'est ça qu'il fait quand c'est un big stage. À un moment donné, on lui donne une balle comme. Puis le service qu'il qui reçoit. Oh. Oh yo, my God. le gars c'est lui plus le gardien pour reste, c'est un world class il a été un class striker à some point in sa life il pouvait soit aller à côté soit chip il a essayé de comme je le gardien genre il a poussé le ballon yo, il l'a poussé tellement fort là le ballon juste allé chuter dans le banc j'ai comme moi yo tu pouvais shooter le ballon fait un bon shoot euh, mais mais n'importe quel autre attaquant à la place de lukaku oh waouh 3-0 ouais facile Oh oui, je, je crois. Ils ont eu une main qui est... Qui non, c'était une main. Ouais, c'est comme que ça c'était un fou de rêve parce que... C'est pas comme s'il voulait faire la main là, non, le, mais... le gars, mais ça a pogné sa main puis... Puis il est retourné, c'est comme can't, can't catch a break. Euh, France, Autriche, on a déjà parlé, mais je veux juste dire, Shadad à canté. Hmm, come back. Oh! Lui, okay. lui il faut qu'il revienne, faut qu il faut qu'il... parte de l'Arabie Saoudite là. a trop de cob. <laughs> Il y a trop de com. Ouais, il boosté. fait son com, mais il est boosté. Le game boost. Il est partout. Il est partout sur le terrain. Sale. Incroyable. Je suis à l'artacan. Euh, Turquie, c'est Jack qui était aujourd'hui. Ouais. Enfin, euh, normal. La game. Ouais, moi je ne suis pas surpris. Non, non, non plus. plus. Georgie, ouais. c'est quand même la. Nouvelle team. La, ouais, c'est ça, exact. Le cotog le plus bas de, de l'Euro, c'est la Georgie qui l'a. Je ne suis pas surpris. Euh, beaucoup de monde me disait que Ravastelia, il y allait. Euh, il allait dominer puis il allait jouer, mais comme faut pas oublier qu'il joue quand même avec comme les meilleurs joueurs georgiens qui sont très bons, mais pas du niveau des autres équipes. Et Portugal, Tchèque Portugal, ils ont. vous êtes trouvé ça Ou non L'IA n'a rien fait. Ronaldo a eu ses chances. Il a pas eu un poteau. Ils ont still gagné ils ont eu le résultat c'est ce qu'il faut mais il manque de quoi il manque euh, toutes ces équipes là Belgique France Angleterre puis je euh, suis il manque hein, faut il laisser suis... le old generation aller mm. okay? il manque comme tu dois change la ça France c'est différent mais la France ils l'ont euh, fait Croatie right, on recommence on Belgique dirait, recommence Tu veux t'enlever Ronaldo moi je <laughs> j'ai pas dit ça l'autre fois, ça fois. <laughs> moi, moi j'ai dit euh, si tu fais jouer les tu peux pas faire jouer Ronaldo vice versa ils peuvent pas les deux peuvent pas jouer ensemble parce que les deux ne, ne font aucun press euh, ils peuvent pas ils peuvent pas courir pendant 90 minutes tu peux pas starter les deux en même temps à top. la base ils ont fait le plus gros suspect qu'ils ont pu faire en coupe du monde mm -hmm. euh, Bench Ronaldo Bench Ronaldo so, non des fois c'est vrai que c'est tough, mais you gotta let go comme ça yeah. les autres peuvent blossom genre tu comprends ou tu, tu commences de bench moi ça me moi ça me dérangerait pas de voir Ronaldo rentrer à la 60 minutes euh, minute, oui. puis il a fait un menu. Il a marqué des braces et des, des Mais Il n'était pas content. Il non, partait. mais c'était marqué des buts. Quand tu as fait ça, job. <laughs> mais pas, ah. il n'était pas content. Ronaldo, oh. pas content. Team, does work. I guess. I, guess. Bon, I guess. Bon, les questions. Est-ce qu'on peut croire que l'Allemagne est de retour comme une équipe dominante en Europe et peuvent-ils gagner l'euro à la maison euh, Avec leur performance de 5-1, euh, on ne peut pas encore le dire parce que n'est pas une très bonne équipe. Euh, C'est une équipe qui est normale, selon mm -hmm. moi. Euh, donc oui c'est dominant oui ils vont travailler fort gagner et il faut attendre le deuxième round mais si on doit jouer le jeu de ce que j'ai vu c'est la meilleure équipe c'est la meilleure tout monde, équipe ouais date ouais. moi j'ai deuxième parce que mon cœur est avec l'Italie. j'ai le cœur avec l'Italie puis je te dis que l'Allemagne et l'Espagne ont eu l'air beaucoup mieux que l'Italie ouais l'Allemagne faudrait l'Allemagne c'est une équipe que j'étais comme Rendu vraiment genre trash mmh. là. Ils euh, avaient aucun, aucun genre attaque. L'attaque était horrible. Puis leur... il y en a deux ça. fantastiques. Exactement. Puis leur defense commençait à être euh, cracking. Euh, okay. euh, vieille, c'est ça. Mais là, euh, après avoir vu cette performance là, comme yeah, ok, peut-être que s'ils si sont capables de maintenant scorer comme ils scoraient avant, puis je sais qu'Allemagne, quand ils jouent ces jeux, euh, ils ont déjà gagné World Cup à la maison. Mmh. Comme ils sont dangereux. Alors, so... Ils ont perdu. Euh... T'as perdu Ok. Ok, ils sont allés all the way, mais ils ont perdu. <laughs> euh, mais c'est une équipe que je pense qu'ils peuvent ride le momentum puis aller all the way. So... maintenant Après avoir vu ça, j'étais comme Ok, Allemagne peut être un contender. En tout cas, une équipe qui peut checker des problèmes à aux meilleures équipes dans, dans l'Euro. Moussiala puis Florian Wirtz sont in... insane. Puis, ah. ils ont ils ont start le, le striker de Dortmund là ils ont posté le milieu de the bench a marqué début. c'est ça j'étais comme damn il a 40 off the bench, uh, off the bench. il, marqué il début. Ça, je comme marque deux buts suis comme damn. bon à la base comme pourquoi ils ont joué avec qu parce que Ivut il, il, il est plus vite il est plus mobile il peut faire plus de choses que ah, group. comme il joue comme un force nine ouais. c'est pas un striker ah, comme... exact mais l'Allemagne a comme pas vraiment besoin du striker, striker ouais. pour 90 minutes est-ce euh, est que c'est -ce est la fin pour la Croatie ou ils sont juste rencontrés, juste rencontrés une équipe espagnole vraiment meilleure okay. euh, fait longtemps que je dis que c'est la fin pour la Croatie comme Niki dit ils sont vraiment vieux le, yeah. milieu, le milieu de terrain, Brozovic, Modric puis Kovacic mm -hmm. sont, sont trop vieux pour courir avec tous les autres milieux de terrain au monde euh, sur la Croatie pour moi done. one and done J'approuve tout ça. Regardez la game, je trouve que les gars étaient vraiment allants sur le terrain. Dès qu'ils perdent le ballon, ils ne pouvaient pas re revenir en arrière. Les contre-attaques étaient trop rapides pour eux autres. Mm. Ça a la croix, c'est terminé, nettoyage. Dj Voilà. Dj Dans le Wodorski, la Pologne sera-t-elle éliminée dans le groupe Stage? Oui. 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 Euh, ils ont bien joué contre les Pays-Bas, mais... Donc, je pense que si si Lewandowski, même quand il est là, c'est off déjà à la base. Ah, so, <laughs> je pense, c'est qui qui a dans leur groupe? Autriche, France, Pays-Bas. Ouais, c'est ça. ça. Comme, je pense que même l'Autriche est capable de gagner. Ou... Il, y y vraiment, a... il y a sur, euh... pas de Twitter, euh, un audacieux sur Twitter, un des commentateurs euh, UK, il disait que c'était ça le groupe de ramon. La je l'ai regardé, j'ai fait « Dans quel monde tu penses oh, que oui. ça c'est le groupe ça de paraît, la pas respecté. Mais c'est le deuxième. C'est le sous, deuxième en, plus en, dur. C'est le deuxième plus dur. Même la Sloop. Ouais, c'est le deuxième plus dur. Après, qu'est-ce que j'ai vu l'Autriche faire à la France euh, Je pourrais voir qu'ils finissent avec un tie contre Pologne, la Pologne puis ouais. que Pologne se fasse éliminer du groupe. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Facilement. Euh, Angleterre, vous t, t il rassuré comme une, Attends, une équipe favorite pour gagner la Coupe T'es méchant, hein C'est sûr -ce Tu sais que c'est. Hell <laughs> On ne sait to the no. Moi, never ça never fait know. longtemps que je dis Garrett Southgate, tu dois faire foot dehors. Ça fait genre trois, tu, trois tournois qu'il doit dois faire foot dehors. Yo. Ben, Southgate, Harry Kane, yo. Comme Il y a des gens, faut juste t'enlève dans la team. Eh oui, mais. Tu start off fresh. T'as tellement de talent, mon gars, en Exactement. plus dans ce pays-là, que tu pourrais. Mais on dirait sont entêtés mon gars. Puis. Euh, tu perdre. J'ai vu un vidéo, il est quand même long, je vais vous l'envoyer. Euh, il est dur, genre 5 minutes. Mais le gars, il expliquait depuis le, la, la Coupe du Monde qu'on a gagné en 66, comment ils se sont fait éliminer à toutes les Euro, Coupe du Monde, whatever, blablabla. Chaque fois, mon gars, chaque fois des conneries. Ah. Rate ah. un but, euh, miss un penalty, mm -hmm. euh, de carton rouge, et il joue à 10 gars toute la game, comme des conneries là, qui arrivaient. Et la... Ce qui m'énerve, cette équipe-là, c'est le 1-0. Autant 1-0. Oui. C'est genre. Comme, vous avez trop de comme, fire quality, firepower fire pour. Comme pas capable de marquer, genre ça c'est un problème. Et en plus maintenant avec ce tour là que le VR est boosté. Ouais ah, là là c'est le semi-automatique VR. Oh. Ça fait du bien. Là, là, y'a plus d'erreurs là. Puis tu perds pas fucking 8 minutes euh, pour les checker. Exactement. Ça, c'est rapide. Comme vous avez vu avec Lukaku. Il a plus des petites conneries qui qu faisait chaîne avec les petits obsèques discrets. Mm. Là maintenant, faut que tu sois vraiment skill. Pas choke. Yep. That's what it is. Belgique continue de donner des faux espoirs. Hmm? On a déjà parlé de ça. Comment remédier <laughs> à leur problème Pas <laughs> coup d'or. <laughs> facile, facile. Facile, c'est tout. Un autre attaquant, puis vous êtes good. Vous êtes good, exact. Et quelle est la meilleure team présentement selon vous après le first round moi, On l'a dit, moi c'est l'Allemagne. Je dis, uh, abonnez-vous okay. Okay, à OK, je vais être fou. Allemagne Laisse-moi laisse voir la deuxième game De l'Italie contre l'Espagne Puis après je peux te le dire C'est Allemagne C'est un, un résumé Moi aussi avant j'étais un hater Mais là je peux pas nier et On fait un 1-1 0-0 2-2 contre l'Espagne Moi je peux te dire Que l'Italie est déjà Good to go all the way <laughs> Là en ce moment Pour moi c'est l'Allemagne. Mm -hmm. ouais, deuxième La, dixième, la dixième, deuxième meilleure équipe ouais. top, 3. top 3 Top 3 Parfait Ok j'aime ça, ça Piquez top 3 ça, top 3. Ton top 3. Ok, ah, mon top 3. Ok, mon top 3 pour aller hors de oui, mon copain. Ouais, live. Euh, Je vais aller avec euh, Allemagne. Après ça, c'était Slovénie. Oh! Puis, euh. Yeah. I guess, ça c'est parce que c'était totalement une surprise. Je vais aller avec Roumanie. Roumanie. Allemagne. Bang. <laughs> mais... Je vais faire la même chose que toi, Laurent, mais je vais mettre l'Italie deuxième, l'Espagne troisième. Yeah. Respect for my boys. Mm -hmm. Alright. Ce um, que je voulais dire, As tu d'autres questions Euro Non. non Mbappé, euh, ah. il, va, il va probablement être out pour les euh, 10 prochains jours. Je ah, C'est ça, il son nez. Il a pété son nez, bro. Puis? Ben bro, il a pété son nez, tu veux qu'il fasse quoi Il joue quand même. <laughs> C'est l'Euro Non, il se fait opérer. Ils vont aller en en knockout. Il va arriver ça, il va arriver en arcade. Il va arriver en arcade, il va porter un masque, il va ressembler à une tortue ninja. Et that, 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 that. Il va, va et... sûrement jouer off the bench dans, yeah. la game, dans la dernière game de group stage pour yeah. voir comment il fait avec le masque. Et après ça, yo. Pour lui. il va faire du penses une quoi. J'espère pour, lui. <laughs> pour lui. Participer. Moi ça me fait juste chier parce que je l'ai pris dans mon fantasy puis là ah. je, peux, je peux pas l'enlever. Ah. Il jouerait qui coûtait le plus cher. Ouais. Oh là je veux ces spinters NHL. Aujourd'hui, ça, hein? C'est live. Aujourd'hui, c'est live. Oh, oh, est cool. dit, oh get. Est-ce que, est, est que les Penthers took, took it on? C'est peux Boston est allé. Les... Non. 3-1 oh, Edmonton. Edmonton. Ils uh... Il reste encore la moitié de la game, là. Au Canada. C'est ah, pas fini, bro. Oh. Oh. Et de... Non. C'est loin d'être fini. <laughs> ils, ils peuvent très tailler la game, là. <laughs> Yo, Oleus est venu faire un comeback, guys. Relax. Je vous dis qu'il mérite. Je vous dis qu'il mérite. C'est Mick Dallas, en tout cas. Ouais, Ils ont plus de fights. Toi c'est c'est la série pour revenir 3-0, c'est bien celle-là. C'est ce le hockey que ça <laughs> arrive. Oui, J'avais un petit hope pour les Mavs de face, mais... Non, non. ça être les gagner, c'est... J'ai vu euh, que les Celtics sont allés turn-up à Miami. Ça aurait pu être un, un méga turn-up si, si Panthers gagnent ouais, ouais, ils sont, sont allés à Miami pour revenir euh, durant le week-end à Boston pour faire la parade et tout. Oh, la, par ouais. la parade est vendredi. Non. <laughs> Pourquoi pas j'ai got ce this shit to faire. OK, all right. All right. Uh, your family will go? Oui, of je course. Ils étaient <laughs> dans les rues, on voyait des vidéos et tout. Ils étaient surtout en off. y'all. All right, so that's it for aujourd'hui. vous d'autres choses à rajouter? Non, no? that's it. That's it for today, guys. Comme je disais, dis, aujourd'hui, euh, après cet épisode-là, il y aura deux. Il y aura notre prédiction, l'NBA Finals avant, l'Euro aussi avant. Oh, OK, OK, OK. Et puis, le, le plus d'aujourd'hui, on pourrait comparer si on avait euh, raison ou pas. On arrive bientôt à notre fin. D'habitude. Euh... La prochaine épisode va sûrement être dans genre deux semaines. Exact. On va attendre que les groupes stage finissent. Exact. On va aller au knockout. Puis on va Et aussi... la Copa América va commencer. Moi aussi. aussi. Euh, on va voir si on continue pour la Coupe América europe et on termine le tout. Okay. Après, si on va continuer ou pas. Euh, sur ce, guys, merci de nous écouter. Uh, like, share, comment, partager Thank you. On, a, on apprécie encore à tous nos fans qui me croisent dans la rue et qui disent oh, elle t'écoute, <laughs> je t'écoute tes real. j'aime ça, on aime ça, puis on va revenir en force euh, avec plus de marketing de rue on a pris un petit break dans les deux dernières semaines parce que Casa est A, de, a died. <laughs> et, et Puis moi je suis allé en voyage. On va revenir, on va revenir en force sur les reels, les petites vidéos. Merci encore de nous de nous écouter et puis bonne soirée.